Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Jazz qui pousse un coup de gueule contre les Français à Dubaï. Vous l'avez sûrement remarqué, depuis le début du confinement en France, beaucoup ont décidé de partir en vacances à Dubaï. Mais selon Jazz, depuis l'arrivée des Français, il y aurait beaucoup de problèmes. Apparemment, il y a eu de nombreuses histoires et systématiquement, ce seraient des Français qui sont impliqués. Tout à l'heure, Jazz a pris la parole pour avertir ceux qui veulent venir à Dubaï. Ils doivent apprendre à mieux se comporter. Je vous laisse tout de suite avec la vidéo et n'hésitez pas à réagir en commentaire. Les amis, j'espère que vous allez bien. J'ai envie de gueuler un coup là. Maman, complète pas, mamie, not here. Ok, my queen. Hein? Oui, oui. Attends, je dis quelque chose à Jessie Family. Les gars, ça fait 3 ans que j'habite à Dubaï et il n'y a jamais d'histoire. Genre jamais de bagarre, jamais de vol, jamais rien du tout. Et ça fait depuis, bizarrement soit-il, cette vague de confinement depuis cet été, où il y a des problèmes à Dubaï. Et vous savez quoi? C'est toujours les Français. C'est un truc de fou, hein. Quand je dis nous les Français, c'est pas notre nationalité qui est française, c'est des gens qu'on vient de France, quoi. On habite en France, le pays de la France. Écoute, à Dubaï, il n'y a jamais eu autant d'histoires que depuis qu'il y a autant de Français. T'as une histoire au Five, c'est les Français. T'as une histoire One Oak, c'est les Français. T'as une histoire à la plage, c'est les Français. T'as une histoire dans le mall, c'est les Français. T'as une histoire au White, c'est les Français. C'est pas une légende, hein. C'est une réalité. Pourquoi les gens ils viennent à Dubaï? Parce qu'ils sont motivés par le bien. Parce que c'est un beau pays, parce qu'on sait qu'on est bien, on sait qu'on est tranquille, on sait qu'on est heureux, qu'il fait beau, etc., etc. Mais pourquoi, en fait, vous venez, vous faites le zbeul, en fait? Le zbeul. C'est un truc de fou. Surtout qu'en plus, finalement, je sais pas, en une semaine, le nombre de Français qui sont rentrés en prison en France. À Dubaï. Toutes les 5 minutes, il y a une histoire. Les gars, arrêtez. Dubaï, c'est un beau pays, avec une belle mentalité, une belle loi, une belle religion. On a tout bien ici. Venez, kiffez seulement. Passez vos vacances, kiffez seulement. Menez votre vie. Les gens, ils vous fatiguent, vous croisez des gens de Paname, c'est ça que vous aimez pas, ou je sais pas trop de où, quoi. Calculez même pas. Faites vos vacances, vous réglerez ça en France. Pourquoi vous faites ça, les gars? Vous quittez la France parce qu'on a tous marre de la France. Parce que la France, ça fatigue. C'est trop une galère. Vous venez ici, vous reproduisez ce qui se passe en France. C'est n'importe quoi. Apaisez vos cœurs et kiffez seulement. Prenez le bon de Dubaï, s'il vous plaît. Arrêtez de faire hala. Après, à chaque fois où on va, ils disent quoi? Ils disent, ah, mais les Français, si, ça, ça. Mais c'est vrai, parce que c'est vrai. C'est la vérité, les Français, c'est une mentalité carnage. Et c'est une vérité, c'est une vraie vérité. Et si ça continue comme ça, les amis, déjà, entre Macron qui avait dit des dingueries de fou, du coup, il y a eu quelques problèmes avec les UAI. Mais si là, en plus, les Français, ils font hala partout. Ça va finir que, par exemple, vos sœurs, vos cousines, vos amis, vos voisins, ils pourront même plus venir à Dubaï, ils vont faire des visas de demande de vacances, ou ils vont pas autoriser les visas à tout le monde, et c'est ça. Arrêtez, les gars. Apaisez votre cœur, en fait. Je vous jure que ça me saoule. 3 ans que j'habite là, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Ici, il y a de tout, les gars. Vraiment. Toutes les origines, toutes les religions, toutes les différents styles de vie. Il y a tout. Ici, comme je vais vous dire un truc pour moi à Dubaï, hein, il y a les plus grands princes, comme il y a les plus grands riches, comme il y a les plus grands voyous, comme il y a les plus grands tout. Mais tous ces gens-là, ils sont là pour être en paix. Ils sont là pour être tranquilles dans leur vie. Vous voyez ? Ça veut dire, s'il vous plaît, kiffez Dubaï, aidez-nous à faire en sorte que ça reste bien. Et surtout qu'ils arrêtent de dire partout, c'est les Français, parce que c'est la vérité au final. Venez, on leur montre. Non, on n'est pas comme ça. On se tient. On se tient. C'est ce qu'on veut, être tenu à la base. C'est ce qu'on veut, avoir des lois qui pour nous sont constructives. On a la chance de le vivre à Dubaï. Les gars, venez tous à Dubaï. Vous êtes tous. Venez tous à Dubaï, il y a de la place pour tout le monde. Juste venez, on la joue cool. Chacun, il mène sa vie dans le plus grand des calmes. C'est tout. Alors forcément, des fois, il y a des crises. Moi aussi, hein, je suis pas un surhumain, surtout. Moi, je suis comme ça. Des fois, il y a des meufs, elles me chauffent de ouf. Mais je prends sur moi. Allez, je rentre chez moi. Je vais pas me faire ban ou je vais pas aller au HEPS ou un truc comme ça pour des histoires futiles. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pensez au futur, en fait. You can't.